tous les amis, petit réveil. J'ai eu de la chance, l'église elle a pas sonné. Par contre, il y a un agriculteur qui a commencé à travailler assez tôt. J'étais debout tôt, en fait après je me suis rendormi. Le chauffage a bien marché. J'ai des yeux de koala, mais pouh, de panda même. Voilà. On va partir du spot, je vais me prendre un café avant et ensuite on repart pour l'aventure. Voilà mon petit café qui commence à chauffer. Je l'attends avec impatience. Putain, je vois pas d'ébullition. Oh là là là. Nuit de ouf, vent violent. C'était une tempête. Je sais pas ce qu'ils sont ici en boucherie là, Saint-Christophe là, mais c'est une vraie boucherie, hein. Désolé les internautes, désolé les gens qui habitent dans la boucherie là ou je sais pas où, mais c'est trop dur. Il y avait une tempête de l'espace, le camping-car. J'ai cru qu'il allait s'envoler. Voilà les amis, c'est le grand départ. On repart d'ici. Elle a pas sonné l'église, ça c'est incroyable. Il y a vraiment pas de vie dans le coin. Donc voilà, en tout cas j'étais bien au sec, mais par contre trop de vent et trop de tracteurs qui passent. Sinon c'est con le spot, si un jour je passe par là, c'est sûr et certain, je sais qu'il y a le courant là-bas. Je pourrais m'y mettre vraiment sans souci quoi. Avec un convecteur électrique, un bain d'huile, tiens. J'ai un bain d'huile 500 watts que je te disais. Donc là, on se rapproche de Bourges. Je sais pas trop combien de kilomètres, mais je pense qu'il va me faire dévier. Parce que la route du Loiret, c'est pas forcément par Bourges. En fait, il va me faire passer par Salbris, je pense. Donc, big up à vous le 18. Alors les amis, petit arrêt Intermarché pour faire juste une petite course à la con qui servait à rien, mais bon. Voilà. Donc je suis ressorti avec un petit calendrier des sapeurs-pompiers du Cher, Châteauneuf-sur-Cher. Voilà l'endroit où je me situe. On a un petit peu parlé tout ce qui était militaire et tout ça, de leur intervention. Voilà, moi qui ai un grand respect pour les pompiers. Voilà. Alors on s'est arrêté sur un petit spot. Donc pareil, c'est souvent des petits spots comme ça avec des petites routes où il y a plein d'arbres. Ils ont été coupés. Des coins assez forestiers. Mais je fais attention parce qu'il peut y avoir de la chasse. Donc je me méfie. J'ai regardé avant, j'ai pas vu de panneau. Donc voilà. Donc petit spot depuis le camion. Pour manger, petit repas vraiment très simple et très léger. Donc voilà les amis, ça va être bientôt la fin de la partie 3. Il me reste à peine 100 km, même pas. Alors les amis, dernier petit spot vraiment uniquement pour vous. Je passais par là, je me suis dit, vous pouvez pas manquer ça. Voilà les gens, c'est la fin de la vidéo. Je suis vraiment pas très loin de Bourgueux vers Montargis. Donc du coup, je vous laisse. Petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Allez, allez, bye bye, à la prochaine vidéo. Cette fois, on va cartonner.